Donc on est là pour parler du compresseur Parkside que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour à peu près une centaine d'euros, un peu moins. Donc il y avait un souci assez rapidement au bout de 15 jours qui est cette pièce qui est là, qui se situait ici. Donc comme on peut le voir, il y a deux sorties, une ici qui sort la pression qu'il y a dans la cuve directement et une ici où la pression est réglable. Donc il y avait ce bitonio là qui permettait en tournant de faire monter la pression sur cette sortie-là. Donc le problème de ce truc-là, c'est que comme vous le voyez, c'est en plastique, c'est fileté. Évidemment, le filetage m'est resté dans les mains assez rapidement, d'autant plus que comme c'était situé là, la main passait très difficilement entre les deux sorties pour tourner, c'était vraiment galère. Donc j'ai pas fait jouer la garantie parce que je me suis dit que j'allais me retrouver avec le même souci assez rapidement et j'ai donc bricolé un truc. Donc c'est pas très facile à filmer vu qu'il y a la poignée, mais on le voit bien ici. Donc comme je l'explique dans mon blog, allez le voir si vous êtes arrivé directement. J'ai enlevé la pièce, j'ai mis ici un raccord fer fileté en, je pense que c'est du 1 pouce. Le filetage n'était pas exactement le bon, mais en forçant un peu ça a été. Et j'ai rajouté ici un pied de meuble qui me permet d'actionner le ressort à l'intérieur. Allez voir mon blog, tout est expliqué. Et donc là ça marche absolument nickel. Donc regardez, si je dévisse, là, la pression retombe, je peux arriver jusqu'à zéro, hein. Voilà, comme ça je peux changer d'outil sans vider toute la cuve. Et quand je resserre, ben, la pression remonte. Et ça me permet de régler exactement, par exemple, si j'utilise mon pistolet à clous, voilà, 6-7 barres et c'est nickel. Voilà, donc c'est une réparation qui m'a coûté pas grand-chose, enfin voire rien, c'était les fonds de tiroir. Et ça marche vraiment nickel depuis un mois, donc si ça peut dépanner quelqu'un, ça marche bien. Attention quand même, c'est de l'air comprimé, c'est dangereux, donc faut savoir ce qu'on fait. Mais bref, donc vous voyez, ça marche parfaitement, je peux le serrer plus pour monter la pression encore. Voilà, donc là j'arrive quasiment à la même pression qu'à la cuve. Et je peux le desserrer complètement. Voilà. Donc voilà, un raccord laiton, un raccord fer et un ancien pied de meuble de bureau, je crois, et c'est nickel. Voilà. Ben, en espérant que ça vous serve. Ciao!